Elles sont 140 en Essonne, 140 maisons de retraite publiques, privées ou associatives passées au crible. Avec une note de 10 sur 10, la palme revient à la résidence Château Dranem à Ris-Orengis. Ici, nos aînés payent un peu moins de 100 euros par jour, n'ont aucun délai d'inscription et pourront bénéficier d'une unité Alzheimer. À Brétigny-sur-Orge, la résidence Relais Tendresse obtient une note moins élevée mais tout aussi honorable. 8,5 sur 10 avec un coût d'un peu plus de 90 euros par jour, aucun délai d'inscription. Ici également, une unité Alzheimer est là pour vous aider. Dans le bas du tableau, le château Lormois, Lompon-sur-Orge. 8,5 sur 10 pour cet établissement, moins coûteux que les précédents, un peu plus de 86 euros par jour. Il vous faudra patienter de 1 à 3 mois pour y séjourner, et ce, sans unité Alzheimer. A noter que sur les 20 premiers établissements recensés dans le guide de la dépendance, seulement 2 ont un statut public et 3 associatifs. 13 000 pensionnaires essonniens sont accueillis dans ces structures, dont 9 000 en maison médicalisée.